Bonjour, chers parents, et bonjour à toi qui vas bientôt débuter ton secondaire. J'ai la grande joie de me présenter, Marie-Claude Stébène. Je suis bien choisie pour présenter l'école secondaire André-Laurando parce que c'est mon école secondaire. J'ai fait mes 5 années là-bas. Mes filles ont fait leur scolarité et moi et mon mari y enseignons depuis maintenant plusieurs années. André-Laurando, c'est plus qu'une école à mes yeux. C'est un milieu de vie. Il sera pour là pour toi, un endroit bien spécial. Pour développer ta curiosité, tes amitiés et découvrir le monde. Cette école regorge de projets divers qui sauront te motiver, donner le meilleur de toi-même. Et les enseignants et les élèves sont ma famille. Je m'y sens chez moi et tu verras dans la présentation que nous disposons d'installations spécialisées, de plusieurs programmes palpitants. L'école est grande et ses aspirations le sont tout autant. Pour débuter ces portes ouvertes virtuelles, je cède la parole à M. Sylvain Caron, directeur de l'école secondaire publique André-Laurando. M. Caron? Merci, Mme Steven. Alors, bonjour tout le monde. C'est avec joie que nous vous accueillons aujourd'hui à notre première porte ouverte virtuelle à l'école secondaire André-Laurando, située sur le boulevard Cousineau à Saint-Hubert. Comme vous le savez, nous faisons face à une toute nouvelle réalité, empreinte de changement, qui nous pousse à faire autrement, qui nous pousse à nous dépasser pour être encore plus créatifs. Nous espérons que, dans un avenir rapproché, nous aurons la chance de vous ouvrir nos portes afin que vous puissiez circuler à votre gré en observant le travail, les réalisations et les divers défis qui sont relevés au quotidien dans notre école. L'école publique André-Laurando est un milieu éducatif stimulant, accueillant et soucieux de l'épanouissement de chacun de ses élèves. La mission de l'école québécoise est d'instruire, de socialiser et de qualifier. Notre projet éducatif supporte cette mission en offrant une variété de parcours académiques et de services de qualité afin d'amener nos élèves vers la réussite en respectant les intérêts et les différences de chacun. Que l'on soit parent, éducateur, enseignant, notre objectif principal est de guider l'élève, votre enfant, à devenir un citoyen impliqué dans la société de demain en contribuant à l'émergence d'une société juste et soucieuse du respect des différences. Nous avons toute une équipe d'enseignants. Vous aurez d'ailleurs la chance la possibilité d'en écouter quelques-uns dans les prochaines minutes. En plus de professionnels et sans compter le personnel de soutien à l'élève, soutien technique et autres qui offrent à nos élèves un enseignement et un encadrement de grande qualité. Malgré les contraintes causées par la pandémie, notre équipe travaille et travaillera ensemble à maintenir notre vision, voulant que nous soyons un milieu de vie créatif, engagé et harmonieux qui favorise l'intégration et le développement du plein potentiel des élèves grâce à la collaboration de tous. Nous nous engageons à fournir à nos élèves un environnement qui favorisera leur réussite. Pour y parvenir, chaque élève a un tuteur, un mentor qui l'encadre et qui fera tout en son pouvoir pour l'épauler dans ses divers choix, peu importe les situations. Outre les programmes offerts, nous avons une équipe engagée qui s'occupe de la vie étudiante et qui offre aux élèves une pléiade d'activités sur l'heure du dîner ou après l'école dans des locaux revampés et mise au goût du jour. L'élève sera donc en mesure de vivre diverses expériences tout en savourant le plaisir d'apprendre. Je vous souhaite donc de belles portes ouvertes virtuelles, une première. En terminant, je veux vous rappeler que l'ensemble du personnel et moi-même mettrons tout en œuvre pour que votre enfant soit bien au sein de notre école et que son plaisir d'apprendre se conjugue avec sa réussite scolaire. Accueillons maintenant les meilleurs coordonnateurs des programmes qui ont pris l'initiative de vous préparer cette superbe présentation. Vous aurez donc la chance d'échanger avec Marie-Claude Stébène, coordonnatrice en art dramatique, qui animera aujourd'hui la présentation. Elle est accompagnée de M. Vincent Benoît, du programme de musique études Jazz Pop, de Mme Carole Saint-Amand, du programme d'éducation internationale, le PEI, de M. Patrick Langlois, enseignant en art visuel, et de Mme Chantal Marcille, enseignantes en danse, qui sont présentement à distance et qui répondront ultérieurement à vos questions. Je cède la parole à Mme Stébène et je vous souhaite de bonnes portes ouvertes. Merci. Alors, bonjour. Maintenant, parlons de la situation géographique de l'école secondaire André-Laurando. Elle est située en Montérégie et s'adresse à un public scolaire francophone. Elle dessert les villes de Brossard, Saint-Lambert, Longueuil
et Saint-Hubert, Vieux-Longueuil et Greenfield Park. Alors, elle est tout près des axes routiers autoroute 30, la 112, la route 116. Elle est aussi tout près d'établissements comme Rosanne-Laflamme, la bibliothèque Raymond-Lévesque et le parc de la Cité. Alors, quelques chiffres à l'écran pour vous montrer à quel point c'est une grande et belle école. Alors, nous avons beaucoup d'élèves cette année, une bibliothèque de plus de 25 000 livres. Vous voyez que plusieurs installations sont spécialisées et s'offrent en grand nombre à la clientèle de notre école. Nous sommes une école verte. Une école verte, ça ne veut pas juste dire qu'on fait du recyclage, c'est plus que ça. C'est une école qui s'axe sur la récupération, sur la réduction des déchets. Alors, c'est une école aussi qui agit au niveau de la démocratie. C'est une école qui vise une société écologique, une société pacifique, solidaire et démocratique. Concernant le transport, la RTL, donc, et aussi les autobus scolaires jaunes, tous les élèves sont desservis par ces autobus-là. Notre projet éducatif. Notre projet éducatif est un plan d'engagement qui démontre nos stratégies pour viser la réussite académique et la persévérance scolaire de nos élèves. Donc, tout est mis en œuvre pour pouvoir garder la motivation et offrir des programmes diversifiés. C'est notamment par la qualité de nos services que nous allons y arriver, par aussi une offre diversifiée de nos programmes. On aime nos élèves et on en prend soin. Être André Laurendeau, c'est être bien encadré par plusieurs professionnels, mais aussi par des actions et des programmes qui visent à diminuer l'anxiété et à rendre l'école comme elle est, donc une école qui est comme une famille, pour développer le sentiment d'appartenance chez les élèves. Nous avons notamment le passage primaire-secondaire avec la CLIC, donc une groupe d'une trentaine d'élèves qui vise à accompagner les élèves pendant les trois premières semaines d'école afin de diminuer l'anxiété, créer des liens sociaux, diminuer l'isolement et développer le sentiment d'appartenance à l'école. Nous avons aussi un protocole mis en œuvre pour dénoncer l'intimidation et la toxicomanie. Nous avons un programme d'aide aux devoirs. Ce programme d'aide aux devoirs a lieu à la bibliothèque. Il est parrainé par des enseignants et des élèves. Et donc, ça vise à développer des stratégies efficaces pour pouvoir permettre aux élèves de gagner confiance en leur matière. Et aussi, le service est gratuit, c'est bien entendu. Et ça se passe après l'école, la bibliothèque, dans un cadre convivial et agréable. Nous avons des services professionnels. Les enseignants s'engagent à ouvrir des centres d'aide en français, en mathématiques, dans toutes les matières où les élèves auraient besoin. Donc, les midis, il y a des centres d'aide ouverts dans toute l'école. Nous avons aussi des services professionnels. Plusieurs psychologues, travailleurs sociaux, psychoéducatrices, infirmières, animateurs à la vie spirituelle et conseillères en orientation. Et parce que nous avons des programmes spécifique et que l'école est une école avec des projets grandioses, nous avons une équipe de techniciens et de paratechniques qui nous accompagnent dans l'élaboration de nos projets, que ce soit en sciences ou en arts. Donc, des techniciens en audiovisuel, des techniciens en travaux pratiques, techniciennes en service sport et loisirs qui s'occupent notamment du sport interscolaire, des techniciens en éducation spécialisée, et aussi des appariteurs pour les arts, des surveillants d'élèves. Chaque groupe d'élèves, chaque niveau a sa propre aire étudiante dans laquelle pivotent toutes les classes et il y a des surveillants attitrés pour chacune des aires, ce qui fait que les élèves sont très bien accompagnés. Concernant l'horaire est sur 9 jours. Chaque journée comporte 4 périodes de 75 minutes par jour pour un total de 180 jours d'enseignement par année. Les dîners sont de 60 minutes et les pauses le matin, l'après-midi, le soir sont évidemment d'une durée d'environ 15 minutes. Notre code de vie. C'est important d'avoir un code de vie pour assurer la sécurité
de nos élèves. Oui, on vit dans une école fantastique. Oui, on a des intervenants qui sont passionnés et qui sont dédiés aux jeunes. Mais on pense que pour soutenir la réussite académique, les élèves aussi doivent donner du leur pour offrir finalement un milieu de vie harmonieux et sécuritaire. C'est pourquoi notre code de vie est fondé sur 6 principes de base. Nous sommes convaincus qu'une attitude positive, une implication dans la rigueur de son travail favorise un climat propice à l'apprentissage et par conséquent va contribuer aussi à la motivation de tous. C'est donc en ayant le respect des consignes, la présence des cours, la ponctualité, le matériel adéquat et en faisant ces travaux que nous croyons que la réussite scolaire sera assurée. Et il est important qu'un comportement sécuritaire et un langage approprié permettent aux élèves de travailler la collaboration. Et c'est sûr que ça va contribuer à donner un enseignement de qualité à tous les élèves du groupe. Le code de vie, c'est l'affaire de tous. Les membres du personnel de notre école privilégient le sens des responsabilités et nous encourageons évidemment les initiatives et l'autonomie. Et tout ça se passe avec un langage approprié et une intégrité intellectuelle. Il est important aussi de respecter son environnement, de respecter aussi la tenue vestimentaire pour pouvoir en faire un milieu de vie qui est démocratique, mais aussi qui est en coopération. Le 5e principe, respecter l'environnement et le matériel, nous avons la chance d'avoir une école avec des installations spécifiques. Vous allez voir dans les prochaines minutes des photos de nos installations. Nos programmes l'exigent et ces lieux-là doivent être, évidemment, on doit en prendre soin. Nous invitons les élèves à agir en citoyens responsables, à démontrer des valeurs de coopération. Le code de vie, on le rappelle, c'est une affaire pour tous. Les installations, alors nous avons la chance d'avoir 2 cafétérias. La première, la principale, est présentement en rénovation. Donc, nous avons une cafétéria tout en couleurs avec les arts plastiques qui ont décoré. Tous les luminaires sont des luminaires artisanaux. Il y a des comptoirs lunch, les tables sont en rond, tout pour rendre le plus convivial possible. Donc, nous l'appelons la cafétéria chez Al. Elle peut contenir jusqu'à 450 dîneurs. Et évidemment, elle est ouverte le matin pour les déjeuners, pendant les pauses, les collations et pendant le repas du midi. Elle offre un menu qui se penche sur les saines habitudes de vie. Donc, nous avons aussi le central qui est comme une espèce de petit bistrot français. Qui ressemble avec ses tables rondes et ce comptoir lunch à un lieu très, très, très sympathique avec une scène de spectacle, avec une régie d'éclairage et de son. Alors, tous nos lieux se transforment en salle de spectacle. Dans la grande cafétéria qu'on vient de voir, Musique Étude fait ses spectacles à grand déploiement. Et donc, le central est aussi la version un peu plus petite de la grande cafétéria, mais tout aussi conviviale et elle abrite la radio étudiante, le Réal. Et nous avons la chance d'avoir l'auditorium qui est l'un des principaux lieux de diffusion des performances artistiques des concentrations quatuors. Arts visuels, arts dramatiques, danse, programme musique-études, jazz pop. Alors, ce lieu-là est dédié à nos spectacles à grand déploiement. Et nous avons comme partenaire exclusif la Caisse populaire de Saint-Hubert qui contribue au soutien et à l'éducation de nos élèves et à rendre de ce lieu de diffusion un lieu à la hauteur du talent de nos élèves. On leur dit un gros merci. La bibliothèque maintenant. La bibliothèque, on l'a vu tout à l'heure, 25 000 livres sur ses rayons. Elle met à la disposition des élèves des ordinateurs et des documents de référence. Très sympathique, on ne le voit pas là à l'écran présentement, mais sur le côté droit, il y a des beaux divans en cuir rouge. Donc, c'est un lieu à la fois pour se détendre, s'enrichir et aussi un lieu pour se divertir. Une belle bibliothèque qui est ouverte le matin et qui est ouverte aussi après l'école. C'est notamment là, on se le rappelle, qu'on fait l'aide aux devoirs. On parle de programmes diversifiés, hein? À notre école, on a vraiment plusieurs programmes et une chose est certaine, c'est qu'on a aussi la présence du sport interscolaire Mistral. Quand on a un sport interscolaire comme le nôtre, on se doit d'avoir
installations qui sont à la hauteur des prix que l'on ramène de nos compétitions. Donc, nos installations, nous avons des gymnases, en tout 4 gymnases, 2 palestres, une salle de musculation. Nous avons une vingtaine d'appareils dans cette salle-là avec des poids libres, des vélos stationnaires. Les élèves m'ont dit, quand je suis passée prendre la photographie, c'est beaucoup de plaisir et beaucoup d'efforts. Ah, nous avons aussi à l'extérieur un terrain synthétique et une piste d'athlétisme. Donc, des installations dignes de ce nom pour accueillir des compétitions et permettre à nos élèves d'évoluer dans le sport interscolaire et dans le sport aussi à l'intérieur de notre cursus de cours de façon très, très, très sympathique et surtout avec beaucoup de plaisir. Présentement, nous avons la chance de pouvoir agrandir notre école parce que, on le dit, notre école est très grande, les programmes sont populaires et les élèves sont nombreux. Donc, nous avons l'installation de modulaires qui sont là pour les élèves de 3e secondaire. Ces modulaires sont fonctionnels et dernier cri. Ils peuvent accueillir facilement une dizaine de groupes, donc plusieurs centaines d'élèves. C'est le temps de passer à nos programmes. Ce qui est fantastique à André Laurendeau, c'est que l'âme de notre école est empreinte autant de culture scientifique, sportive qu'artistique. La diversité des programmes rend notre école accessible au goût des élèves qui vont évoluer pendant 5 années. Comme toutes les écoles, nous offrons évidemment le programme régulier et nous avons aussi des classes d'adaptation scolaire. Et ces classes d'adaptation scolaire nous gardent toute l'année avec notamment les gourmandales. On va vous en parler plus tard. L'offre de service s'enrichit avec des programmes particuliers axés sur les 4 arts. Alors oui, nous avons la chance de pouvoir offrir dans notre école 4 arts. Par exemple, nous offrons 3 concentrations. Danse, théâtre, arts visuels. Et nous avons aussi un programme d'art-études reconnu au niveau provincial, notre musique-études jazz-pop. Et avec le PEI, qui se distingue chaque année par son respect des normes associées à ce programme-là. Le programme régulier, c'est un beau programme. C'est un programme qui permet à l'élève de concentrer son énergie sur les apprentissages scolaires essentiels, tout en ayant la possibilité de profiter de nombreuses activités offertes à l'école, en parascolaire notamment, sur l'heure du dîner. Donc, c'est offert aux jeunes de notre secteur. Et vu que les cours se terminent à 14h40, l'école vide de passion, vous savez, jusqu'à au moins 16h30. L'élève peut donc, après son cursus scolaire, aller vivre sa passion, soit avec les troupes artistiques ou soit avec le sport ou l'implication communautaire. Le programme régulier est constitué des cours de base comme français, mathématiques, anglais, histoire, éducation, ECR et ensuite... Il est constitué aussi d'un art de votre choix. Comme à l'école, on offre les 4 arts, donc il est possible de suivre en plus soit danse, soit art plastique, soit art dramatique ou soit musique. En deuxième cycle, les élèves peuvent ajouter à leur cursus de cours régulier une option, donc des cours optionnels. On en a vraiment plusieurs. Vous n'avez pas la liste exhaustive actuellement. Nous avons cinéma, perfectionnement sportif. Nous avons notamment histoire des grands conflits du 19e siècle, etc. Donc, beaucoup d'options. Vous voyez que les cours au régulier sont variés. Ce sont les cours essentiels, mais ils permettent surtout de pouvoir de permettre à l'élève de pouvoir se diriger vers des activités parascolaires. Donc, ils peuvent être à l'école aussi longtemps que les gens en concentration. Le programme d'adaptation scolaire, quant à lui, s'adresse à des classes diversifiées. Alors, que ce soit en classe relation, en classe Phoenix, ils répondent aux besoins spécifiques des élèves. Donc, ce sont des élèves qui vont poursuivre leur apprentissage sur le plan académique, mais aussi vont vivre des activités au cours de leur passage à l'école, des activités qui vont leur permettre une belle intégration. Pour le deuxième cycle, donc, les élèves de FMS et FPT peuvent, tout en développant leur formation académique, peuvent aussi développer leurs habiletés et leurs compétences de travailleurs. Concernant les inscriptions au programme régulier pour l'année 2021-2022, donc ça se fera en ligne par Mosaïque entre la mi-février et la mi-mars. Et
pour les classes d'adaptation, eh bien, les classes Phoenix et Relations, les élèves sont référés par les écoles. Je vais passer maintenant la parole à Mme Carole Saint-Amand, qui est coordonnatrice au PEI. Mme Saint-Amand. Merci, Marie-Claude. Alors, bonjour tout le monde. Le programme d'études intermédiaires du baccalauréat international, communément appelé le PEI, est offert à ton école de secteur. Il est composé d'une grande variété de cours. En plus des matières de base propres au programme, qui est contenu dans tous les programmes ministériels du Québec, s'ajoute un enrichissement culturel en français et en anglais, comportant des volets tels que la poésie, le théâtre et l'histoire littéraire. Au PEI, l'enrichissement culturel du français et de l'anglais constitue une occasion d'approfondissement de la langue auquel s'ajouteront en deuxième et troisième secondaire l'apprentissage d'une langue tierce, soit l'espagnol. De plus, tu auras un cours artistique à ton choix à chacune des années du PEI. Tu pourras choisir entre la danse, l'art dramatique, les arts plastiques ou la musique. Un cours d'éducation physique à chaque année viendra compléter ta grille horaire, sans oublier l'ajout de cours optionnels en quatrième et cinquième secondaire. Au PEI, l'implication de l'élève dans sa communauté par le service action est importante. Les élèves seront invités à accomplir de l'engagement communautaire auprès d'organismes, et ce, de la première à la cinquième secondaire. Ces engagements que l'on nomme service action se vivront tant à l'intérieur de l'école qu'à l'extérieur de celle-ci. La réalisation des actions par le service est encadrée par une coordonnatrice qui aide les élèves dans leur démarche auprès des organismes et plus particulièrement au premier cycle du secondaire. Le service action est au cœur de la philosophie des programmes du BI et amène les jeunes à s'investir et à s'impliquer dans leur communauté pour faire la différence dans le monde qui les entoure. Développer une méthodologie du travail axée sur les approches d'apprentissage. Par la méthodologie du travail axée sur les approches d'apprentissage, l'élève développe une meilleure responsabilisation face à ses apprentissages. Il apprendra comment gérer son stress, comment se préparer pour un exposé oral, comment présenter un travail écrit, comment effectuer des recherches, etc. En somme, comment développer toutes les compétences nécessaires pour s'organiser de manière efficace. Cet aspect du programme fait en sorte que les élèves sont des apprenants autonomes dans la poursuite de leurs études postsecondaires. Ils auront également l'occasion de participer à des voyages. Le PEI favorise des apprentissages dans un contexte de vie réelle. C'est pourquoi nous proposons une variété de sorties éducatives et culturelles à nos élèves. Visites de musées, visites à Ottawa, à Québec, conférenciers, sorties au théâtre, etc. À cela s'ajoute la possibilité de participer à des voyages, dont voici une idée des destinations selon les niveaux. En première secondaire, les jeunes iront à Grande-Bergeronne, près de Tadoussac. Ce sera l'occasion pour eux de tisser des liens avec leurs nouveaux camarades de classe. En deuxième secondaire, le voyage est axé sur une visite en Amérique du Nord, chez nos voisins du Sud, notamment peut-être à New York, Philadelphie, Washington, Chicago. En quatrième secondaire, c'est le voyage humanitaire en Amérique centrale ou en Amérique du Sud. Le Pérou, le Costa Rica, l'Argentine ou le Guatemala font partie des destinations qui ont déjà été visitées. Et finalement, en année terminale, c'est un voyage en Europe qui est offert aux élèves de 5e secondaire, donc la France, l'Angleterre, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, etc. Un autre aspect du programme qui est travaillé, c'est le design et l'interdisciplinarité. Au cours des trois premières années au programme, les élèves auront à suivre des projets de design. Le principal enjeu du design est d'amener les élèves à trouver une solution à une problématique. Cette solution peut être une création de produits ou une création numérique. En première secondaire, par exemple, les jeunes devront concevoir un jeu éducatif qui viendra en aide à d'autres élèves dans une matière scolaire. En troisième secondaire, les élèves devront réaliser une conception numérique d'un plan d'aménagement d'une cour d'école. À chacune des années du PEI s'ajoute également
des projets interdisciplinaires. Donc, les élèves seront invités à comprendre les liens qui unissent les différentes matières par l'entremise de tels projets. Un autre projet très important au PEI est le projet personnel en cinquième secondaire. Lors de la dernière année du secondaire, l'élève doit réaliser un projet personnel dont le sujet est à son choix. Le contenu de ce projet met en lien toutes les composantes du PEI vécues à travers ces cinq années du programme. Chaque élève est encadré par un enseignant superviseur pour l'aider dans sa démarche. Le PEI est un programme qui donne la possibilité aux jeunes d'obtenir une triple certification. En plus du diplôme d'études secondaires, l'élève qui répond aux critères au PEI recevra un diplôme d'éducation secondaire internationale ainsi qu'un certificat du PEI, de l'IB ou l'attestation du PEI de l'IB. Je vous présente maintenant quelques photos de nos anciens élèves lors de la réalisation de différents voyages au PEI. On les voyait tantôt au Musée du Louvre à Paris, à l'École de la mer à Grande-Bergeronne, lors de voyages humanitaires de quatrième secondaire et finalement dans l'autocar en direction de Philadelphie. Le PEI André-Laurando s'adresse uniquement aux élèves de sixième année du territoire de Saint-Hubert. Il est composé de 4 classes par niveau. Cette année, un peu plus de 550 élèves sont inscrits au PEI. En première secondaire, ce sont 128 élèves qui sont admis chaque année. Les jeunes sont des apprenants actifs qui participent à la construction de leur savoir. Le PEI, et ce peu importe l'établissement scolaire qu'il propose, s'articule autour des mêmes composants. Le PEI est une philosophie et une approche d'enseignement. Les contenus des matières sont prescrits par le ministère de l'Éducation du Québec, mais la manière de les aborder place l'élève au centre de ses apprentissages, car pour l'IB, ils sont des apprenants actifs participant à la construction de leur savoir. De plus, l'enseignement gravite autour du cycle de recherche et s'appuie sur les contextes mondiaux. Les contextes mondiaux permettent à l'élève de faire des liens entre les différentes matières vécues à l'école et la vie réelle et favorisent l'éveil à une sensibilité internationale. Le programme PEI s'adresse à des élèves qui démontrent une curiosité intellectuelle et qui ont le désir d'apprendre. Parce que oui, le programme PEI est rempli de richesses, mais c'est un programme exigeant. Par l'enrichissement culturel en français et en anglais, par l'apprentissage d'une troisième langue, l'espagnol, par le cours de design, le projet personnel. L'accomplissement du service action et la charge de travail est plus importante que celle demandée qui est au régulier. C'est pourquoi l'élève au PEI en est un qui aime apprendre et qui démontre une grande curiosité intellectuelle. Parmi les autres qualités recherchées chez les élèves du PEI, il y a entre autres l'ouverture face aux autres et la préoccupation du bien-être collectif et le goût d'apprendre et relever des défis. Pour les tests d'admission, cette année, les tests seront virtuels et l'inscription se fera par l'entremise du site Internet de l'école ou du site Internet du Centre de services Marie-Victorin. Les élèves à qui s'adressent les tests sont seulement ceux qui, de notre territoire. Donc, les examens d'admission sont gérés par une firme externe, Brisson-Legris. Ils se tiendront le samedi 3 octobre prochain de 13h à 16h30. Donc, comme je le disais, les examens s'adressent seulement aux élèves qui sont présentement en sixième année. Lors de l'inscription de votre enfant, vous devrez spécifier si celui-ci a un PIA et le fournir le cas échéant avant les examens d'admission. Il fera ainsi partie du groupe ayant droit à un tiers de temps supplémentaire. Les contenus, les contenus des examens, ce sera des contenus que votre enfant a déjà appris en cinquième année du primaire, ainsi qu'en quatrième année du secondaire. Donc, vous n'avez pas à les préparer pour les examens en tant que tels, parce que ces matières-là, ces contenus-là sont déjà intégrés, ils les ont déjà appris. Évitez également de transférer le stress sur votre enfant puis de lui mettre une pression inutile sur les épaules pour passer ses tests. Le déroulement des tests se fera de manière virtuelle et sous la supervision de surveillants de la firme Brisson-Legris. Comment se fera la sélection des élèves?
Alors, les élèves seront choisis par un pointage qui sera établi en donnant une valeur de 60 % au bulletin de cinquième année et 40 % sera attribué aux résultats des tests d'admission. La transmission des résultats des tests se fera dans la semaine du 28 octobre. Nous vous rappelons qu'il y a 128 candidats qui seront acceptés au programme et que les autres élèves seront placés sur une liste d'attente. Finalement, si vous désirez obtenir plus de renseignements concernant le PEI à André Laurendeau, je vous invite à demeurer avec nous pour la partie questions-réponses de nos portes ouvertes qui suivra cette présentation. Ou également, vous pouvez aller sur le site Internet à l'adresse andrelaurendeau.école.csmv.qc.ca. En cliquant sous l'onglet « Programme », sélectionnez le PEI. Dans le menu déroulant, vous y retrouverez la présentation complète de notre séance d'information commentée du PEI transmise aux parents de sixième année lors du 8 septembre dernier. Je passe maintenant la parole à M. Benoît, coordonnateur du programme Musique-Études JASPA. Bonjour à tout le monde. On va faire une description du programme immédiatement. Alors, le programme Musique Études Jazz Pop célèbre cette année son 20e anniversaire. C'est avec beaucoup de fierté qu'on offre ce programme à l'école depuis plus de 20 ans. C'est le seul programme de musique études dans le centre de service scolaire Marie-Victorin. Également, dans la province de Québec, il y a uniquement 20 programmes de musique études. Et celui qu'on offre est unique parce que c'est le seul programme au Québec qui enseigne le jazz à tous ses élèves. On est les seuls à faire ça de cette façon-là. Donc, la grille horaire d'un élève qui est en jazz pop est un peu différente de celle du programme régulier. Donc, les élèves du régulier qu'on appelle en option musique au Québec ont soit 3 ou 4 périodes de musique par cycle de 9 jours. Les élèves qui sont en jazz pop, eux, ont un total de 10 périodes de musique par cycle de 9 jours. Il y en a 8 qui se passent dans l'horaire et il y a 2 périodes qui se retrouvent à l'extérieur des heures de cours, donc ce qu'on appelle hors horaire. À chacune des 5 années, pendant que l'élève est avec nous, la grille horaire des autres matières que la musique est un peu modifiée comparativement à celle du régulier pour permettre de donner les 8 périodes dans l'horaire. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va aller retrancher certaines périodes dans différentes matières pour nous permettre d'offrir les 8 périodes dans l'horaire. Donc, à chaque année, ce n'est pas la même matière à qui on ampute quelques périodes, ce qui fait que l'élève, au bout de ses 5 années, est capable de passer au travers sans problème. Petite mention spéciale pour ce qui est des auditions. Donc, les auditions cette année vont se faire en virtuel, dans une rencontre Teams que l'élève va passer de chez lui. Les auditions consistent en un test de capacité auditive, donc ce n'est pas un examen théorique avec des questions en lien avec la musique. Donc, ce qu'on demande aux candidats de faire, c'est de faire de la... c'est fait en 3 parties. Donc, la première partie, c'est de la différenciation de sons. Donc, on donne 2 sons à l'élève, puis on lui demande de nous dire si le deuxième son est plus aigu ou plus grave que le premier. Ensuite, on lui demande de faire de la différenciation rythmique. Alors, on lui fait entendre 2 cellules rythmiques. Excusez-moi, et on demande si la deuxième cellule est identique ou différente à la première. Et à la fin, il y a un test de mémoire auditive. Donc, comme je disais, il n'y a pas de questions qui sont en lien avec la théorie musicale ou la lecture musicale. Donc, un élève qui est dans une école primaire en ce moment, qui n'a pas le bonheur d'avoir un cours de musique à son horaire, peut quand même passer l'examen et il peut réussir. Donc, à chaque année, on a des élèves qui arrivent du primaire et qui ont été sélectionnés pour le programme, puis qui n'ont pas eu de cours de musique au primaire. Évidemment, on en a beaucoup qui en ont eu, mais certains, ceux qui n'ont pas eu le privilège d'en avoir au primaire peuvent quand même réussir le test. Donc, si on fait une description du programme en gros. Donc, les élèves en jazz pop vont apprendre à jouer de 2 instruments différents en parallèle durant leurs 5 ans avec nous. Ils vont participer à 2 ensembles musicaux différents. Alors, le premier ensemble dans lequel ils vont jouer, c'est un ensemble de jazz, ou ce qu'on appelle en anglais un big band ou un stage band. C'est une formation musicale qui a été créée au début de l'histoire du jazz, à l'époque du big band. Donc, si vous connaissez Duke Ellington ou Count Basie, c'est à cette époque-là qu'on a standardisé
la formation Big Band. Donc, les instruments qui sont proposés en jazz aux élèves, c'est la famille des saxophones, le trombone, la trompette, la guitare jazz, donc on parle de guitare électrique, le piano jazz, qui va être soit acoustique ou électrique, dépendamment des moments où l'élève va jouer, la basse électrique et la contrebasse, la batterie et les percussions jazz. Alors ça, c'est ce qui est offert aux élèves dans le contexte du cours de jazz. Ensuite de ça, l'élève va avoir un cours d'harmonie. Donc ça, c'est le deuxième instrument qu'on propose aux élèves. Une harmonie, pour ceux qui savent pas ce que c'est un ensemble d'instruments avant auxquels on ajoute des percussions de type classique. Donc les instruments proposés sont la flûte traversière, la clarinette basse, les saxophones, le cor, ce qu'on appelle le cor français, la trompette, le trombone, l'euphonium, le tuba, la contrebasse et les percussions classiques. Ce qui est important de comprendre, c'est que l'élève doit obligatoirement jouer de deux instruments, donc ce qui rend notre programme très complet. Alors, un élève ne pourrait pas jouer de la trompette en jazz et en harmonie. On l'oblige à sélectionner un instrument différent pour jouer de deux instruments dans deux orchestres différents. En plus de l'apprentissage des deux instruments, les élèves ont un cours de théorie musicale très approfondi. Donc, on voit la théorie classique, mais on fait un enrichissement également avec la théorie jazz qui est propre à l'instrument jazz qu'ils vont jouer. Les élèves vont avoir à faire des créations musicales par le biais de ce cours-là également et comprendre comment on fait pour prendre la théorie classique puis la pousser un petit peu plus loin pour faire la théorie jazz. En plus du cours de théorie, les élèves vont avoir un cours de formation auditive qui inclut le solfège, le chant choral et la dictée musicale. Fait que c'est un cours qui est très, très complet. Comme on est un musique-étude, on doit s'arrimer avec les exigences pour la formation postsecondaire en musique. Alors, un élève qui a fait ses 5 années avec nous est prêt parce que le programme le prépare aux auditions pour aller en musique au cégep. Il n'y a pas d'obligation, c'est vraiment pas tous les élèves qui passent parmi nos groupes qui s'en vont en musique au cégep, c'est même un petit pourcentage, là, c'est entre 0 et 5 élèves par année qui décident de se rendre aux auditions. Par contre, c'est avec beaucoup de fierté que je vous dis que depuis que le programme a été lancé, tous nos élèves qui ont essayé de faire les auditions pour entrer en musique au cégep ont tous été acceptés au premier tour. Donc, c'est un programme qui est très sérieux et très complet. Alors, en plus des cours d'harmonie et jazz, dans le programme, l'élève va recevoir 15 leçons privées sur son instrument jazz durant l'année. Les leçons ont lieu durant les heures de cours et elles sont enseignées par des spécialistes de l'instrument que joue l'élève. Donc, ce n'est pas le prof de classe, mais un tromboniste professionnel, par exemple, qui donne les cours de trombone aux élèves. Fait que les cours ont lieu durant les heures de classe. Donc, il n'y a pas à déplacer l'élève à l'extérieur. C'est pris en charge par l'école. Durant l'année, on va également décloisonner quelques périodes de musique. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va disperser les élèves dans 4 locaux différents avec les élèves qui jouent le même instrument qu'eux. Donc, ce travail-là, on appelle ça des sectionnels. Donc, on va faire ça 11 fois durant l'année. Et elles sont également enseignées par le spécialiste de leçons privées. Le but, c'est de faire travailler les élèves ensemble avec ceux qui jouent le même instrument qu'eux pour faire du travail plus précis d'articulation, de justesse et de technique en plus avec ceux qui jouent le même instrument qu'eux. Il est à noter que l'instrument jazz est fourni par l'école et que l'élève en est utilisateur unique. Donc, les frais d'entretien de cet instrument-là sont inclus dans les frais annuels d'inscription de l'élève au programme. Durant une année scolaire, on va faire un total de 4 concerts thématiques. On fait des concerts à différents moments pour mettre en valeur tout ce qu'on fait dans nos heures de cours. Donc, le premier concert qu'on va faire, c'est le concert de Noël. Durant ce concert-là, les élèves vont interpréter des pièces de Noël avec leur instrument jazz, mais également en chant choral. Donc, ce qu'on va avoir travaillé dans les cours de formation auditive, on va l'appliquer à ce concert-là.
Ensuite, à la fin du mois de janvier, on a un merveilleux concert qu'on appelle le souper-spectacle, qui est en première partie un souper spaghetti familial et qui est suivi d'une soirée dansante avec piste de danse. Et la musique pour la soirée dansante est interprétée par les élèves. Donc, c'est une expérience un petit peu de musicien professionnel parce que les élèves ont à monter un spectacle de haut niveau qui doit être extrêmement bien rodé pour que les spectateurs puissent danser sur cette musique-là. Le concert suivant va avoir lieu au mois de mars. Il s'appelle la soirée jazz. Donc, c'est un concert qui est préparatoire à un concours musical. Fait que le but de l'exercice, c'est que les élèves vont y présenter leur répertoire de jazz de concours pour le tester devant le public avant d'aller le présenter dans un concours qui a lieu une ou deux semaines après la soirée jazz. Le dernier concert qu'on fait à l'école, ça s'appelle le concert avant-première. C'est le seul concert dans l'année où les élèves vont s'exécuter avec leur instrument d'harmonie. Également, le concert avant-première est un concert préparatoire également à un autre festival dont je vais vous parler immédiatement. Donc, durant l'année, les groupes vont participer à deux festivals. Un festival, c'est un concours musical qui est axé sur la pédagogie. Donc, les groupes se présentent, offrent une performance devant public, mais aussi devant des juges. Et leur performance est évaluée par ces juges-là qui sont des musiciens professionnels et qui vont leur donner des conseils pour s'améliorer et pousser plus loin leurs apprentissages. Donc, c'est très formateur, très plaisant parce que l'élève a un professionnel qui est un spécialiste de la musique que l'élève a présentée. Puis le but, c'est de permettre aux élèves d'aller un peu plus loin dans leur interprétation des pièces qu'ils ont présentées. Alors, le premier festival s'appelle le Jazz Fest des jeunes du Québec, qui a lieu à la fin du mois de mars, donc une ou deux semaines après ce que je disais tantôt, qui était la soirée jazz. Évidemment, pour le Jazz Fest, les élèves performent uniquement avec leur instrument de jazz. Je passerai aussi l'information que le Jazz Fest a habituellement lieu dans notre école. Donc, il y a lieu à l'école André Laurendeau depuis 1992, je crois. Et c'est un événement qu'on organise en partenariat avec un organisme communautaire qui est dans la ville de Longueuil. Le deuxième festival, c'est avec celui-là qu'on termine notre année de performance. Donc, c'est le Festival des harmonies et orchestres symphoniques du Québec à Sherbrooke qui a lieu durant la longue fin de semaine au mois de mai. Alors, pour ce concours-là, c'est notre voyage un petit peu qu'on fait en famille. Donc, on se rend à Sherbrooke et les élèves vont performer à ce concours avec leurs deux instruments. Donc, ils font une performance en jazz et une performance en harmonie. Le concert avant-première dont je parlais tantôt est préparatoire au Festival des harmonies à Sherbrooke. Donc, le but, c'est de tester les pièces d'harmonie devant public. Également, les concerts sont des levées de fonds. Donc, quand on fait un concert, on essaie de faire profiter les élèves et leurs parents des profits qu'on est capable d'amasser avec ces événements-là. Donc, les profits sont redistribués aux élèves pour financer les projets de voyage pédagogiques, musicaux qu'ils vont faire à chaque année et durant leurs 5 années. Donc, durant les 5 années que l'élève passe avec nous, 2 des 4 concerts que nous faisons, en fait, il y en a 2 qui servent à financer le voyage à Sherbrooke qui a lieu à chaque année. Et il y a 2 autres concerts qui nous servent à ramasser de l'argent pour un beau projet magnifique qu'on appelle le projet de tournée musicale de fin d'études. Alors, les élèves, à la fin de leur parcours au secondaire, vont choisir une destination pour faire un voyage pédagogique musical avec leurs collègues avec qui ils ont travaillé durant les 5 dernières années. Fait que le choix de la destination se fait en groupe lors d'une réunion avec les élèves, mais aussi avec les parents qui, évidemment, vont contribuer financièrement à cette organisation de voyage-là. Depuis que le programme a été fondé, on n'est pas très originaux. Toutes les cohortes ont décidé d'aller au même endroit, donc ils ont décidé d'aller participer au Festival Disney, qui est un concours musical qui a lieu à Walt Disney World en Floride. Mais, comme je disais, il n'y a pas d'obligation, donc c'est les élèves avec leurs parents qui prennent la décision sur la destination. La réunion se fait en 4e secondaire, évidemment le voyage se fait en 5e. Alors, finalement, au bout de ces 5 années-là, les élèves qui sont finissants dans notre programme peuvent postuler pour être sélectionnés
dans le but de participer au Festival international de jazz de Montréal. C'est quelque chose qu'on trouve vraiment, vraiment plaisant et je ne vois pas comment on peut mieux terminer ses études secondaires quand ça fait 5 ans qu'on joue dans un ensemble de jazz, par terminer sur la scène du Festival international de jazz de Montréal. Donc, les élèves doivent postuler et être sélectionnés pour avoir l'occasion de s'y présenter et de performer. Fait que c'est habituellement sur cette incroyable scène internationale, internationale entre guillemets, que nos finissants se retrouvent une dernière fois pour se dire adieu et finir leur 5 années musicales avec leurs profs, devant leurs parents, sur la rue, habituellement sur la rue Sainte-Catherine, sur ce festival d'envergure internationale. Alors, c'est sur ça que ça termine ma présentation. Je vais maintenant céder la parole à Mme Marie-Claude Stében. Merci beaucoup. Concernant les inscriptions de musique études jazz pop, alors, pour l'année scolaire 2021-2020, les tests d'admission se feront comme M. Vincent l'a nommé. Nous allons passer maintenant au programme de concentration. Donc, c'est une école qui est artistique. C'est une école qui possède aussi les arts plastiques, la danse et le théâtre. Alors, pourquoi choisir un programme de concentration et pas seulement prendre les arts dans le programme régulier? Alors, premièrement, parce qu'une concentration t'offre plusieurs possibilités. Celle d'accroître tes connaissances, de réaliser des projets grandioses et aussi de faire des sorties, des voyages éducatifs qui ne sont pas nécessairement offerts ailleurs. Donc, comment se base l'horaire des cours de concentration? Vous avez les cours de base du régulier, donc les mêmes cours que tout le monde. Par contre, comme Musique Études Jazz Pop, on a fait quelques petites modifications pour pouvoir entrer à l'horaire beaucoup plus de théâtre, beaucoup plus de danse et beaucoup plus d'art visuel. Donc, c'est 6 périodes plus une 5e période. Donc, en tout, ça fait environ 8 périodes sur 9 jours d'art à la place de 4 au régulier. Évidemment, ça n'empêche pas qu'en 4e et 5e secondaire, ceux qui veulent suivre un profil scientifique puissent le faire et les autres puissent prendre des cours optionnels, comme au régulier. Alors, divers styles. Tu aimes la danse? Alors, voici le programme divers styles. Alors, pourquoi choisir divers styles? Qu'est-ce que divers styles? Premièrement, son nom vient du fait que dans ce programme-là, vous allez faire plusieurs types de danse. De la danse moderne, du jazz, du contemporain, de la salsa, de la danse africaine, du funky, du hip-hop et encore plusieurs autres types de danse. Tu auras également la chance de travailler avec des chorégraphes invités qui viendront te partager leur passion de la danse. Et tu vas pouvoir faire des spectacles à grand déploiement sur la belle scène de l'auditorium Albert Faneuf à André-Laurendeau. Donc, il y en a environ 3 spectacles par année. Les spectacles sont particuliers parce que les danseurs sont revêtus de costumes et les costumes du département de danse sont fantastiques. Vous savez que dans leur costumier, il y en a plus de 20 000 costumes et accessoires. Alors, c'est absolument incroyable de pouvoir vous permettre d'avoir cette chance-là, d'être sur la scène et d'avoir été maquillée par des maquilleuses professionnelles, d'avoir un vidéaste, d'avoir un photographe pour capter tout ça. Vous allez être des vedettes. Alors, si tu aimes la danse, va t'inscrire à la concentration divers styles, car tu vas pouvoir vraiment t'épanouir dans ce programme-là. En danse, en plus, si tu veux, tu peux faire des parties de la troupe ou t'inscrire à la danse de couple. Donc, c'est beaucoup, beaucoup de belles activités nouvelles. Et tous les mardis ou les lundis, ça dépend des années, il y a une personne qui vient enseigner le cirque. Alors, si tu as le goût de mémoriser davantage de chorégraphie, si tu aimes les hauteurs et que tu n'as pas peur des cerceaux, si tu es souple et que tu as une de tes forces, c'est la souplesse la force, tu peux aller faire la discipline du cirque. Donc, on accroche des cerceaux et des tissus au plafond de l'auditorium et là, vous apprenez des chorégraphies majestueuses à la Cirque du Soleil. Et pendant l'année, tu vas pouvoir vivre des sorties culturelles et le département danse va aussi sur Broadway à New York
pouvoir s'offrir la vie des artistes à New York, dans la Grande Pomme. Alors, les voici. Le département, vous savez, il est reconnu pour ses spectacles thématiques dans lesquels tu pourrais tenir un rôle d'un personnage si ça t'intéresse. Alors, le programme est libellé de telle sorte que tu pourrais développer tes compétences techniques, tes compétences chorégraphiques grâce à ton entraînement artistique que tu vas recevoir de la part de tes enseignantes spécialisées en danse. Alors, tu seras appelé à évoluer artistiquement grâce aux échauffements dynamiques, aux diagonales techniques, aux étirements adaptés. Alors, il y a plusieurs situations d'apprentissage variées qui pourront te laisser libre cours à ta créativité. Et aussi, tu pourras développer ton œil critique lors des appréciations d'extraits d'œuvres chorégraphiques. Tu feras même aussi des liens avec d'autres disciplines artistiques. Si tu as le désir de découvrir la danse au niveau professionnel, alors, comme nous l'avons dit, les voyages à New York sauront répondre à tes attentes. Alors, là, dans la Grande Pomme, on découvre les studios, les grands danseurs et tu vas pouvoir aller voir directement sur Broadway ce qu'il en est. Alors, au sein de la grande famille Diverstyle, tu seras en mesure de t'épanouir, de trouver ta place et les enseignantes spécialistes en danse t'attendent. Alors, viens danser ton secondaire avec eux. Pour la concentration, théâtre, les productions du petit théâtral. Vous savez, il faut de la vie au théâtre et du théâtre dans la vie. Ça, c'est Jules Renard qui l'a dit. Alors, nous croyons d'ailleurs que le théâtre contribue au développement personnel et social des jeunes, car le dévouement artistique se passe principalement en travail en équipe au sein des productions du petit théâtral. Alors, la concentration au théâtre permet à chaque élève d'observer son environnement et de prendre sa place à l'intérieur. Ils peuvent le faire soit par la création ou par l'interprétation. Le cursus de cours du programme de concentration se veut le reflet du monde artistique par la myriade de techniques qui vont être enseignées au cours des 5 années. Alors, improvisation, jeu masqué, théâtre corporel, marionnette, jeu devant la caméra, etc. Et oui, nous explorons aussi le volet cinéma qui s'ajoute à notre formation artistique. Pour compléter la formation, un comédien ou une comédienne professionnelle va venir à chaque année offrir un stage de formation en jeu aux élèves. Alors, mime, comédia dell'art, chœur, secret de conteur, c'est la complémentarité des apprentissages qui repose sur des repères culturels qui proviennent à la fois des grandes époques du théâtre, dans l'histoire du théâtre et aussi de l'art d'ici et maintenant. C'est d'ailleurs pour cela que les élèves vont faire 2 à 3 sorties par année dans les théâtres, dans les lieux de diffusion. Et aussi, ils vont rencontrer les artistes. Nous réalisons des spectacles à grand déploiement dans les différentes salles de spectacle de l'école. Car oui, nous avons le privilège de posséder 3 salles de spectacle. Alors, c'est des lieux qui sont dédiés à des représentations de théâtre et ils sont tous équipés de régies professionnelles. Et ce sont en même temps nos salles de classe. Nous parlons notamment de l'Alexandrin avec 140 spectateurs et qui ont une salle de cours et qui sont aussi le lieu de diffusion des élèves de première secondaire. Le Petit Théâtral qui, lui, accueille 250 spectateurs et qui est le lieu de diffusion des élèves de 2e et 3e secondaire. Quant aux élèves de 4e et 5e secondaire, ils ont la chance de représenter à l'auditorium Albert Faneuf. Nous avons aussi une salle de montage avec un équipement cinématographique professionnel. Et avec tout ça, ben, les élèves de 4e et 5e secondaire sont en mesure de pouvoir offrir aux élèves du primaire le festival de théâtre pour le primaire. Donc, ils sont libérés pour pouvoir être en spectacle pendant une semaine. Alors, si ça t'intéresse d'être sur la scène, de jouer des personnages, de créer et d'interpréter des œuvres théâtrales, c'est ta place. Si tu aimes faire du cinéma, c'est aussi ta place. Donc, nous avons des ateliers aussi scénographiques parce que tous nos artistes sont polyvalents. Ils sont capables de faire des éclairages. Ils sont capables de monter des décors, d'en concevoir aussi. Nous avons un atelier de scénographie pour pouvoir construire les maquettes des décors. Nous avons un immense costumier et aussi un dépôt d'accessoires. Nous avons 2 dépôts pour le décor aussi à l'école. Donc, c'est des artistes polyvalents que nous formons dans des lieux spécialisés. Nous faisons des voyages aussi.
Nous allons en deuxième secondaire à New York et les troisième, quatrième et cinquième secondaires vont en Europe. Nous avons fait l'Italie, nous irons en Grèce et beaucoup d'autres voyages encore. Une particularité de notre art, c'est que notre art réunit sur la scène une vingtaine de comédiens. Alors, c'est un enseignement personnalisé que nous offrons. Sur la scène, il n'y a jamais beaucoup d'artistes, donc ils rayonnent sur la scène en groupe d'à peu près 20 comédiens. Donc, c'est ça le théâtre, c'est un enseignement personnalisé, c'est un engagement aussi commun qu'on a vers un même but. Vous voyez ici présentement le petit théâtral à l'écran, donc une scène qui nous permet de monter quand même de grands décors. Et nous avons l'étude de théâtre classique autant que du théâtre contemporain. Ici sur la scène de l'auditorium Albert Faneuf, donc on voit l'ampleur des effets techniques et des décors. Si tu aimes le dessin, la peinture, la sculpture, je t'invite à t'inscrire à la concentration art visuel avec Atelier Splash. Donc, tu vas pouvoir faire différentes techniques artistiques et explorer différents médiums. Durant les 5 années scolaires dans le programme, l'élève recevra un coffre à outils avec des outils artistiques à l'intérieur comme des pinceaux, des crayons à dessin, des outils pour l'argile, des mirettes, des ébauchoirs et bien d'autres outils afin de t'accompagner dans l'élaboration de tes projets de création. Alors, au début de chaque année, il est prévu que l'élève reçoive un nouveau matériel. Donc, imaginez au bout de 5 ans l'ampleur du matériel qui se trouve à l'intérieur du coffre à outils. Donc, depuis plusieurs années, le département d'art visuel est très fier d'avoir une équipe d'enseignants dévoués et impliqués dans la concentration. Elles sont composées de personnes avec des compétences artistiques variées et des approches complémentaires, ce qui permet aux élèves d'avoir un éventail de diversifié d'approches des arts visuels. L'objectif du programme d'art visuel est de permettre à chaque jeune d'apprendre et de maîtriser différentes techniques comme la peinture, la sculpture, le dessin, le collage, la gravure, l'infographie, la photographie et même la création de jeux vidéo. Alors, vous allez, comme on l'a dit tout à l'heure, utiliser plusieurs médiums comme l'argile, la peinture acrylique, l'encre de Chine, l'aquarelle, le pastel, le fusain et bien d'autres. Il est important à noter que chaque enfant va développer ses capacités de reproduction et de création grâce au dessin hebdomadaire. Et chaque élève va développer aussi certaines compétences comme son autonomie, sa créativité, son jugement critique, son estime de soi, sa gestion du temps, sa vision du monde, sa participation et son respect et son travail d'équipe. La concentration d'art visuel est un programme artistique qui permet aux élèves d'avoir une motivation supplémentaire à l'école et de créer des liens d'appartenance avec d'autres élèves ayant le même intérêt artistique qu'eux. Dans ce parcours scolaire, vous aurez des sorties culturelles, des artistes invités, comme prévu. Il y a notamment la visite au Musée des Beaux-Arts et au Musée Grévin, ou bien d'autres ateliers de maquillage comme le cirque, style Cirque du Soleil. Il est important aussi d'inviter des artistes locaux afin d'encourager et de démontrer aux élèves qu'il est possible de vivre des passions artistiques. Il y aura aussi la visite des cégeps pour les nombreux programmes artistiques qui sont offerts. Alors, pour mieux guider les élèves dans la continuité de leurs études, il y aura des expositions, des différents projets réalisés plusieurs fois durant l'année et un voyage prévu aussi à New York est organisé presque à chaque année par le département d'art visuel. Pour les tests d'admission aux trois concentrations artistiques pour l'année 2021-2022, donc, c'est aussi des tests d'admission virtuels. Donc, chacun des tests vont avoir probablement une partie écrite et une partie où l'élève devra présenter sa performance. En danse, il s'agit d'une chorégraphie, en théâtre, d'un monologue. Le tout est filmé et la capsule est envoyée de la manière qui est expliquée dans les documents d'audition. Quant à l'art visuel, c'est un dessin qui est conçu selon les contraintes exigées. Et ce dessin-là est photographié et envoyé. Évidemment, on veut connaître les élèves. Donc, c'est pour ça qu'il y a une partie écrite où l'élève peut se démontrer sa motivation. Parce que le premier critère d'acceptation pour les concentrations, c'est l'intérêt.
Donc, c'est ce qui prime l'intérêt. Et donc, ça s'adresse à tout le monde, la concentration. Même si tu es timide, tu peux t'inscrire. Donc, ça peut t'aider à développer justement ton assurance, ton estime de soi. Donc, l'important, c'est que ces programmes-là, on veut que les élèves se sentent comme dans une famille. On veut qu'ils soient accueillis et qu'ils développent leur plein potentiel. Donc, pour les auditions, toute l'inscription se fait sur le site de l'école et l'information aussi est sur le site de l'école. Le mieux, c'est vraiment d'aller lire les documents d'audition. Donc, vous avez jusqu'au 11 octobre à 23h59 pour pouvoir envoyer vos documents d'audition. Au-delà de ce délai-là, la candidature ne sera pas retenue, malheureusement. Donc, le parascolaire, brièvement. Le parascolaire, c'est aussi gros que les programmes de notre école. C'est complètement fou. Nous avons une myriade d'activités, tant sur le plan sportif que l'engagement communautaire, que sur le plan artistique. Donc, on a entendu déjà parler du cirque en danse, des troupes de théâtre. En théâtre, il y a la troupe du premier acte, il y a la troupe de l'avant-scène, il y a les couples de danse. On a entendu parler des harmonies. Donc, il y a vraiment, en plus de ça, beaucoup, beaucoup d'affaires. Donc, le parascolaire, il y a les activités midi. Donc, il y a avec Halloween, Noël, Saint-Valentin. Il y a aussi le conseil des élèves. Il y a les activités de communication, on a notre journal web, on a notre radio étudiante, notre télé étudiante, on a le sport interscolaire, on a les implications communautaires, les troupes artistiques et les ligues d'improvisation, la LIAL, qui se charge de pouvoir nous représenter dans les compétitions interscolaires. Donc, le midi, l'élève n'est pas en reste, puisqu'il y a le club d'échecs, le jeu de société, les activités de pleine conscience. Donc, vous les voyez là, présentement affichés, je n'ai pas besoin de vous les lire. Vous voyez que c'est varié, c'est très diversifié, parce qu'évidemment, une école est composée de plein de jeunes qui sont différents, qui sont uniques et qui sont beaux parce qu'ils sont comme ça. Donc, on veut répondre à leurs besoins pour qu'ils puissent se développer. Le midi sportif aussi, vous voyez tous les sports qui sont offerts. Nos gymnases, le midi, sont toujours en action. On se rappelle, 4 gymnases, 2 palestres. Donc, et évidemment, il y a les centres d'aide qui sont ouverts et il y a des locaux aussi pour favoriser le travail en équipe. Donc, il y a tout un aspect aussi méthodologie, donc support scolaire qui vient aussi s'insérer pendant nos midis. Le conseil des élèves, ce sont des élèves qui vont pouvoir faire changer les choses dans l'école, donc un représentant par niveau. Puis c'est vrai qu'ils changent des choses. Moi, je me rappelle quand les élèves ont décidé d'ajouter dans l'école des bancs. Donc, ils ont fait des représentations pour ajouter des bancs dans l'école. Même chose, vous avez vu dans le code de vie, les polos, les cotons ouatés, eh bien, c'est eux qui ont décidé du design de ces cotons ouatés-là. Et c'est eux qui ont décidé aussi qu'il fallait un coton ouaté dans notre uniforme scolaire. Donc, ils sont importants et ça fait partie de nos activités parascolaires. Le médial, on parle de la télé étudiante et de la radio étudiante. Donc, ce sont des équipements qui sont professionnels. Le médial comprend l'Oréal, qui est la radio étudiante, et le TVAL, qui est la télé étudiante. Je vous invite à aller sur le site de notre école. Vous allez avoir un onglet où vous allez retrouver notre journal web, déjà plusieurs articles. Alors, le journal web va couvrir toutes les activités, les activités culturelles, donc scientifiques, sportives. Ils vont couvrir aussi toutes les implications communautaires. Donc, c'est vraiment une belle couverture de notre école. Et toi, si tu aimes le journalisme, bien, tu t'es rendu compte qu'à l'école, tu as vraiment, en parascolaire, beaucoup, beaucoup d'occasions de pouvoir te développer. Si tu aimes le sport, tu t'es rendu compte aussi qu'à l'école, juste le midi, tu as déjà beaucoup, beaucoup de temps pour t'amuser. Mais le mieux, c'est encore les équipes sportives, le sport interscolaire, donc le Mistral, qui est chapeauté par notre technicien en loisirs, Daniel Hébert. Donc, les équipes sportives font partie du réseau, affilié au réseau du sport étudiant du Québec. C'est du sérieux. Donc, vous voyez ici les affichés, les différents sports. Évidemment, ça s'adresse aux filles et aux garçons. C'est 3 catégories, débutants, compétitifs, récréatifs. Et vous avez aussi pour tous les groupes d'âge. Donc, vous avez les différentes équipes qui se sont illustrées au fil des années. Il y en a bien d'autres, on avait trop d'images. Et nous participons avec fierté à la course Pierre Lavoie, au grand défi Pierre Lavoie.
Donc, c'est 250 km à parcourir Montréal-Québec nuit et jour avec une équipe d'environ 35 jeunes. Donc, c'est un beau moment de fierté à notre école à chaque année. Et ça permet d'inciter les élèves à avoir de saines habitudes de vie. L'implication communautaire avec Bruno Boilard qui chapeaute ça d'une main de maître. Donc, nous avons la clique que je vous avais parlé pour initier les élèves de secondaire 1 à notre école. Vous avez aussi le groupe Empreinte qui est composé d'LGBT qui se veut un groupe de réflexion et aussi d'action pour promouvoir la coopération, la collaboration et la démocratie. Vous avez aussi des journées thématiques durant l'année, des journées thématiques comme par exemple la journée de l'eau. Vous avez la lutte contre l'homophobie, le droit de l'homme, la journée de la terre. Vous avez aussi la possibilité de faire des engagements dans la communauté. Ça donne des crédits pour le relevé ministériel. Donc, en premier cycle, vous pouvez faire 25 heures et ça donne un crédit. Puis au deuxième cycle, vous pouvez faire 50 heures, ça donne deux crédits. Donc, aller faire des visites d'amitié dans les CHSLD, d'aide aux devoirs du conseil des élèves, c'est du parascolaire, c'est amusant, ça te permet de te former comme futur adulte, mais en plus, ça te donne des crédits pour le ministère de l'Éducation. Donc, vous avez aussi d'autres comités de valorisation comme celui-ci, Culture du Monde. Vous avez Amnesty International aussi, beaucoup d'élèves sont impliqués dans cet organisme-là. Et vous avez aussi Militaire, qui est un comité sur l'environnement. Les troupes artistiques, on en a parlé tout à l'heure beaucoup, donc elles sont bien présentes, elles font partie des événements de début d'année comme les portes ouvertes, comme élèves d'un jour, elles font des spectacles de promotion, donc ce sont des jeunes qui aiment tellement les arts, ce sont des bêtes de scène, donc elles veulent encore en plus et plus et plus d'expérience sur scène. La Ligue d'improvisation, on l'a dit tout à l'heure, donc c'est celle qui nous représente dans les compétitions interscolaires. C'est chapeauté par des enseignantes et c'est des élèves issus de tout programme qui peuvent faire partie de la LIAL, donc de musique, études, jazz, pop, du régulier, du PEI, des concentrations artistiques. Nous allons maintenant amorcer bientôt la période de questions sous peu, donc nous vous suggérons d'aller dans la foire aux questions, dans des questions-réponses portes ouvertes en cliquant sur le lien et de vous... donc, merci beaucoup. Je ne sais pas si c'est encore moi, mais simplement vous dire que nous allons prendre une pause de 2 minutes, mais je n'ai pas terminé, il me restait 2 onglets. Est-ce que je pourrais? Alors, rebonjour, désolée pour ce petit inconvénient technique. Nous sommes en direct, alors c'est tout à fait normal. Les voyages à l'école secondaire André Laurendeau, ben, nous avons une belle tradition de voyage fantastique à notre école. Chaque programme a ses habitudes de voyage, du régulier jusqu'au programme artistique en passant par le PEI. Nous avons parcouru le monde, la Chine, l'Amérique du Sud, les îles Galapagos, l'Italie, New York. Nous avons sillonné aussi notre beau pays, les Rocheuses, Vancouver, l'école de la mer. Ce sont des expériences extraordinaires que nous avons fait vivre aux élèves, des anecdotes aussi gravées dans les mémoires de ceux et celles qui ont partagé ces moments. La COVID nous oblige à nous ajuster temporairement, mais vous savez, l'école André Laurendeau a une âme et elle ne l'a pas perdue. Cette âme va perdurer. Je cède la parole à M. Caron pour pouvoir vous donner, nous allons avoir avant, désolé, nous allons prendre une pause de 2 minutes pour lire vos questions et ensuite M. Caron pourra faire le mot de la fin. Merci beaucoup.
Alors, bonjour, on vient de prendre connaissance de vos questions. Alors, je vais répondre en rafale à plusieurs questions pour le PEI. Donc, malheureusement, le PEI est offert seulement, le PEI d'André Laurendeau est offert seulement et est exclusif aux élèves qui sont sur le territoire de Saint-Hubert. Par contre, c'est possible également de s'inscrire, par contre, à Lucile Tisdel qui est offert à tous les élèves du territoire du centre de service. La deuxième question. Il y a plusieurs parents qui se demandent si l'examen va tenir compte que le fait que les élèves n'ont pas terminé leur cinquième année. En fait, exceptionnellement, cette année, par contre, dans les examens d'admission au PEI, il n'y aura pas de questions en mathématiques pour ces raisons-là. Des questions, ce sera un test de français, un test de logique et de connaissances générales. Donc, et ce sera des choix multiples. Ça, c'est pour les examens au PEI. Après, comme troisième question, on demandait si c'est possible de faire, si les mathématiques étaient enrichies. Les mathématiques sont enrichies en cinquième année du secondaire et ils peuvent avoir accès aussi au profil scientifique. Donc, les élèves ont chimie, physique, des deux cours de sciences ou biologie. Une quatrième question, oui, il y a plusieurs parents qui demandaient au niveau de l'anglais. Donc, l'anglais est enrichi de la première à la quatrième secondaire et en cinquième secondaire, c'est le cours de langue maternelle anglaise. Le nombre de périodes en art au pays en première secondaire, c'est 4 périodes. En deuxième, 3 périodes. En secondaire, 3, 4 et 5, c'est 4 périodes. Et en première secondaire, les élèves font un art de la scène, donc danse, théâtre ou musique. Et en deuxième secondaire, c'est des arts visuels. Et en 3, 4 et 5, c'est au choix de l'élève. Et je pense que j'ai fait le tour, alors, pour les questions au pays. Oui, bonjour, mon nom c'est Patrick Langlois, enseignant d'art visuel, ça me fait plaisir d'être ici aujourd'hui. Comme on peut voir, j'ai laissé mes couleurs à l'école, c'est pas mon temps habituel. Ça me fait plaisir de répondre à quelques questions et surtout de parler un petit peu des auditions parce que me poser les questions pour la nature morte, vous savez, avant il faut falloir s'inscrire, par la suite vous allez recevoir un courriel avec toutes les indications pour le déroulement des auditions. Tout se fait virtuellement cette année, c'est que vous allez avoir accès à un PowerPoint expliquant les différentes étapes pour la création de la nature morte. Vous allez avoir aussi une vidéo de démonstration, c'est moi-même qui ai fait la nature morte. Et en plus, vous avez un questionnaire à répondre, quelques questions en rapport à vos passions, qu'est-ce que vous avez déjà fait en rapport à certains arts ou même autres activités, un peu pour savoir un peu votre profil aussi. Et aussi, ce qui va être intéressant d'avoir, c'est quelques projets, étant donné qu'on ne sait jamais comment l'élève va réagir aux auditions, pour le dessin, et on ne veut pas juste baser, bien sûr, son jugement sur une œuvre, mais si ça va être très important pour vous de nous procurer des images, des photos, bien sûr, de projets de votre enfant, pour avoir un maximum d'informations. C'est très important de savoir qu'habituellement, quand on fait passer des auditions, on a environ 200 élèves. C'est sûr que nous, on doit choisir pour deux groupes, ça veut dire qu'on a une trentaine d'élèves par groupe et on peut faire environ 70-72 élèves, dépendamment, au total. Il y a quelque chose qu'il ne faut pas oublier, ça a l'air gros, 200 élèves, mais il y a souvent des élèves qui font plus d'une audition. Ça fait que ça, il faut être conscient de ça. Puis, disons que habituellement, si je devais mettre un pourcentage sur les élèves qui sont refusés, c'est quand même un petit pourcentage, mais ça peut équivaloir à 10% et moins. Je vais vous donner une idée. Parce que nous, c'est ce qu'on veut savoir surtout, c'est que si l'élève est passionné, c'est très, très important, c'est une motivation avant tout et le talent par la suite va suivre si la motivation est présente. Pour le temps requis, pour l'audition, parce que vous allez bien sûr avoir toute l'information, images, vidéos, tout ça pour la nature morte. Mais ce qui est important de savoir, c'est que la durée normale pour l'exécution de la nature morte, c'est une heure. Si par hasard, vous avez un enfant qui est perfectionniste et qui est face à toutes les 5 secondes, ce que je vous conseille, c'est après une heure, bien sûr, de prendre en photo l'œuvre. Et s'il y a vraiment le désir de le poursuivre par la suite, il n'y a aucun problème.
c'est seulement qu'il faut prendre une photo à la fin du projet. Parce que je sais, j'ai déjà vécu ça plusieurs fois, des enfants avec, qui sont un peu stressés, ils sentent la pression de l'heure et malheureusement, des fois, ça joue un peu contre eux. Mais pour éviter ça, simplement faire en sorte qu'après une heure, on prend une photo du projet, de la nature morte, et par la suite, quand l'élève, l'enfant a vraiment complété et sûr à 100% que c'est correct, vous prenez une deuxième photo sans problème. Fait que normalement, quand vous allez m'envoyer le tout, ça veut dire le questionnaire et les photos, tout ça, ça va être dans une adresse courriel prévue. Vous allez tous recevoir ça par courriel, bien sûr, le 3 octobre, si je ne me fais pas d'erreur. Fait que c'est tout pour moi. Alors bonjour, mon nom c'est Chantal Martin, je suis enseignante en danse. J'ai quelques questions concernant les auditions. Donc la façon que ça va fonctionner, on vous a envoyé une feuille, on va mettre une feuille sur le site internet et vous allez pouvoir cliquer sur différents liens qui vont vous amener notamment sur une chorégraphie à apprendre. Vous allez aussi avoir un lien pour la musique et on va demander aux jeunes d'apprendre la chorégraphie pour ensuite composer quelques mouvements, une dizaine de secondes environ là, pour compléter cette chorégraphie-là. On m'a aussi demandé si c'était offert aux filles et aux garçons. Alors oui, tout le monde est bienvenu chez nous en danse. Ça va me faire plaisir de vous voir. Vous allez devoir filmer votre enfant suite à sa captation, suite à sa création chorégraphique et nous l'envoyer par vidéo. Vous allez aussi devoir répondre à un questionnaire qui tout se fait en ligne. Vous avez juste à cliquer, comme je vous ai dit, sur les liens qui vont se trouver dans la feuille qu'on va vous mettre sur le site internet d'ici le 3 octobre. Donc voilà pour les questions qui avaient lieu. Qui était en lien avec la danse. Merci. Alors, bonjour, Marie-Claude Sébène, enseignante et coordonnatrice au département de théâtre. Donc, j'ai une question concernant les auditions théâtre. Vous allez avoir sur le site de l'école un document d'audition qui contient une partie écrite et ensuite une partie à travailler et à retourner sous forme de vidéo. Dans la partie écrite, on veut connaître le jeune. On va lui notamment lui demander ses expériences. On va aussi voir s'il a des habiletés au niveau de l'autonomie de la recherche en technologie. Les parents peuvent aider, il n'y a pas de souci. Donc, il va avoir un petit questionnaire de culture générale aussi. Ensuite, on va lui demander de préparer une présentation, notamment un monologue qui est envoyé. Donc, il aura à choisir parmi les monologues qui sont donnés, celui qu'il préfère. Il va le travailler, choisir son costume, analyser le personnage et tout ça est déposé là, par écrit dans le document. Ensuite, l'élève se pratique, monte sa scène dans un lieu avec son costume, son décor et là, nous filme ça. C'est une petite capsule de une minute, c'est vraiment pas très long. C'est dans le fond pour voir si l'élève a l'intérêt donc de faire toutes ces étapes-là pour se rendre jusqu'à la finalité et aussi s'il a un potentiel au niveau de l'expression de la communication. Donc, c'est chez soi, c'est à la maison. Comme ça, les élèves qui font de l'anxiété ou qui sont timides, ben, il n'y a pas de souci. Un pas à la fois, on va de l'avant. Puis, notre plus grand critère, c'est l'intérêt. Nous avons, comme M. Langlois a dit tout à l'heure, beaucoup aussi de candidatures. Donc, nous avons environ 150 personnes qui font l'audition chaque année et nous en acceptons 65. Mais il y a un fonctionnement, dans le fond, d'acceptation prioritaire. Puis ensuite, il y a des élèves qui sont mis en attente. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas bons. Faites bien attention. Si votre enfant est mis en attente, ce n'est pas qu'il n'est pas bon, pas du tout. L'année dernière, il y a des élèves qui étaient avec une mention très bien, voire excellent, et qu'on a dû mettre en attente parce que la demande, elle était énorme. Donc, je vous invite à bien respirer, être zen avec les auditions, mais quand même à prendre ça quand même au sérieux. Il y a aussi une autre question qui était concernant les vestes capuchons. Donc, je vous informe qu'André Laurando, la veste capuchon est interdite. Nous avons des vêtements qui sont bien affichés au niveau, là, vous l'avez sur le site internet, dans le code de vie, donc au niveau des règles. Donc, vous pouvez vous en procurer chez notre fournisseur ou ailleurs, mais elle doit être conforme à ce qu'on perçoit. Nous avons aussi une autre question concernant les mesures sanitaires actuellement, là, les voyages, les sorties au théâtre, tout ça. Donc, comment est-ce qu'on s'organise? Écoutez, à l'école, ça se passe bien. C'est sécuritaire. On prend le temps d'agir de manière sécuritaire. Les élèves collaborent vraiment bien aussi. On est très fiers d'eux. Et donc, les sorties, présentement au théâtre, il n'y a pas de théâtre qui offre de spectacle ou il n'y a pas de troupe de danse qui offre de spectacle. En fait, tout est devenu en diffusion web cette année.
ce qui fait que nous avons une entente avec le Théâtre du Nouveau Monde. Nous avons une entente aussi avec le TDP. Il y aura plusieurs offres comme ça de sorties scolaires qui vont finalement être amenées à l'école. La même chose, il y a des troupes qui peuvent venir se présenter sur scène grâce à l'auditorium Albert Panneuf et à sa quantité de place, puis au fait qu'il y a deux entrées différentes, il y a possibilité de pouvoir faire entrer, à ce qu'on m'a dit, 150 élèves dans l'auditorium. Donc, les élèves de concentration artistique pourront vivre, comme c'était prévu, des activités culturelles. La même chose, les stages de formation avec les artistes, donc tant que les mesures sanitaires sont respectées, elles auront lieu. Les artistes sont contents. C'est important que l'art continue de rester vivant aussi. Puis la direction de notre école, la santé publique, nous trouve des alternatives vraiment intéressantes pour pouvoir faire en sorte que ça se passe bien. Concernant les spectacles, donc mes collègues et moi en avons discuté et nous allons tous vraiment nous diriger vers de la diffusion web, donc de la web diffusion. C'est pas de la captation vidéo, là, c'est de meilleure qualité. Donc les spectacles ont lieu, on travaille pour ça aussi. On se prépare déjà à l'avance. Concernant les voyages, ben, vous ne serez pas étonnés si je vous dis que c'est mis sur la glace pour l'instant. Donc, on a une belle tradition derrière nous. On a beaucoup de voyages. Notre résultat est sans faute, puis on en est fiers. Maintenant, pour l'instant, il n'y a pas possibilité de mettre sur pied un projet de voyage pour cette année. Donc, ultérieurement, on espère que le monde va faire en sorte que ça va pouvoir être possible. Donc, je vais maintenant céder la parole à mon collègue en musique études jazz pop, M. Vincent. Bonjour. La question qui m'a été posée, puis je vais répondre un peu pour les autres en même temps, c'est est-ce qu'un élève qui est inclus dans une concentration ou en musique études peut avoir le volet enrichi au niveau de la science et des maths à partir de la quatrième secondaire et en même temps continuer son programme de concentration ou d'art études? La réponse est bien évidemment oui. Donc, la façon que l'horaire de l'élève est organisé à partir de la quatrième secondaire, il peut avoir les cours enrichis de sciences et de maths, ce qu'on appelle chez nous le profil scientifique, et qu'en même temps continuer son programme d'art de son côté. Les élèves du PEI ont automatiquement les cours enrichis, donc la question ne se pose pas. Ce que ça fait, c'est que pour ces années-là, en 4 et en 5, les périodes d'art, donc en jazz pop ou dans les autres concentrations, sont un peu réduites. Et au sein d'une même classe, on forme comme des élèves qui ont un peu moins de cours de musique. On organise la grille horaire en conséquence pour que ça fonctionne. Donc, l'élève peut faire la chose et quand même se préparer pour le cégep. Donc, on a de nos élèves parmi nous qui se sont inscrits au double DEC après être partis d'André Laurando en musique et en sciences pures, par exemple. Fait que voilà. C'était la question. Donc, rebonjour. Trois autres questions concernant le PEI. Alors, on nous demande combien d'élèves font l'examen au PEI et combien en acceptez-vous? Tous les élèves, il faut savoir que tous les élèves du Centre de services scolaires de Marie-Victorin, les trois écoles qui offrent le PEI, tous les élèves vont faire l'examen en même temps. Ces élèves-là qui vont faire l'examen, non seulement la firme Brisson-Legris les fait passer pour le PEI, mais également c'est le même test d'admission pour les élèves qui veulent être admis à la concentration sciences à Monseigneur Parent. Donc, c'est un petit peu difficile de répondre à cette question-là. Par contre, à l'école André Laurando, le PEI, comme je mentionnais tout à l'heure, on accepte 128 élèves et les élèves qui, malheureusement, ne peuvent pas dépasser ce nombre-là, bien, sont placés sur une liste d'attente parce qu'il faut savoir que même s'ils réussissent le test, c'est pas tous les élèves qui vont décider d'aller au PEI parce qu'il y en a qui vont faire comme peut-être le test d'admission pour aller en art visuel à l'école ou aller en théâtre ou au jazz pop, etc. Deuxième question, pour être au PEI, doit-on avoir une base en anglais et en espagnol? Donc, pas du tout. Tous les élèves ont suivi un cours d'anglais au primaire. Donc, c'est ces cours-là là, que l'élève a déjà fait. Donc, en anglais, il n'y a aucun problème. En espagnol, encore moins, parce qu'on commence avec les bases en deuxième secondaire et ça se poursuit en troisième secondaire. Et lorsque l'élève participe au voyage humanitaire, donc, il va avoir la chance de pratiquer son espagnol. Une autre question qu'on a eue pour le PEI, il y en a qui veulent savoir concrètement qu'est-ce que
qu'est-ce qui doit être étudié pour le test d'admission au PEI? Je vous rappelle que les contenus des tests d'admission, c'est des contenus qui ont été vus en quatrième et cinquième année. Il va y avoir un test de français, un test de logique, un test de connaissances générales. Donc, toutes ces questions-là, c'est des questions à choix multiples. Donc, vous n'avez pas à faire étudier vos enfants pour passer le test. Ces questions-là, ils ont déjà les acquis, ils les ont déjà appris au primaire. Donc, je vous rappelle, ne mettez pas une pression supplémentaire sur les épaules à votre enfant. Ça doit venir naturellement. S'il doit étudier 20 heures pour réussir l'examen, bien, assurément, on pense que ça va être très lourd pour lui d'être au PEI et avoir une pression constante comme ça pour réussir. Donc, il devrait le faire naturellement. C'est important de bien dormir, de se reposer la veille et c'est ça, de prendre l'air et puis de faire du mieux qu'on peut lors de l'examen d'admission le 3 octobre prochain. Alors, je cède la parole à ma collègue. Donc, dans la concentration A, combien de concentrations l'élève peut choisir? Donc, ce sont des concentrations qui sont distinctes. Donc, une concentration dense, c'est un profil dense. Concentration art visuel, c'est une concentration qui est axée sur l'art visuel. L'élève ne peut, ce n'est pas une concentration avec plein d'art. C'est des concentrations qui sont différentes. Toutefois, nous sommes conscients que les jeunes, quand ils commencent le secondaire 1, ils sont en train de tester un petit peu ce qu'ils ont choisi. Ce qui fait qu'en secondaire 1, exceptionnellement, l'élève a son art principal et a la chance d'avoir un art complémentaire. Donc, de pouvoir vivre deux périodes par 9 jours dans un art en situation d'exploration. Par exemple, l'élève pourrait prendre la concentration danse et avoir en cours complémentaire artistique la concentration, les cours de théâtre. Donc, il serait en explo-théâtre, mais avec un art principal danse. Et à la fin de l'année, l'élève va déterminer s'il poursuit en danse ou s'il veut changer d'art. Les changements entre les arts, c'est possible. Donc, il faut en faire la demande. Il y a aussi, évidemment, la capacité de pouvoir passer des auditions au besoin. Donc, c'est évaluer là, un cas par cas. Donc, c'est ça. Donc, c'est un art. Je cède la parole à ma collègue. Merci. Ou mon collègue. Alors, bonjour tout le monde. Dans les dernières minutes, nous avons tenté de répondre à vos questions et nous espérons que nous y sommes parvenus. C'est maintenant à vous de porter un regard sur les différents choix qui s'offrent à votre enfant en analysant toutes les possibilités qui lui permettront de se développer de façon harmonieuse et surtout d'être heureux dans notre école. Notre objectif d'aujourd'hui était de vous donner les fondements de ce qui vous permettront de faire ces choix. Vous pouvez toujours continuer à poser des questions dans le fil de conversation. Entre-temps, je vous invite à consulter la vidéo de l'école ou à consulter notre site web. Au nom des membres du personnel de l'école André Laurendeau, je tiens à vous remercier d'avoir participé à cette porte ouverte virtuelle. Je vous souhaite une bonne journée. Merci tout le monde.